staili kuabudiwa, una staili e baba, una staili kuabudiwa, una staili e. Shalom, shalom. Je m'appelle Olivier Mwinjoum Ndal. Je suis un artiste musicien congolais. J'évolue à Kinshasa. Je suis le président et le visionnaire du groupe Olian Music. Je ne travaille pas seul. Je travaille avec ma très chère tendre épouse qui est la vice-présidente du groupe Olian Music. Elle s'appelle Madame Anne Kebs Mwinjoum. Olian Music signifie Olivier et Anne. Donc on a combiné nos deux noms et ça a donné Olian Music. Nous avons commencé il y a maintenant plus de 10 ans depuis qu'on a commencé Olian Music. Ça a commencé après notre rencontre. Donc tant que Koutanina Papa Olivier, il avait ses talents et ses dons. Moi aussi j'avais mes talents et mes dons et mes promesses aussi. Après avoir Koutanina, on s'est dit pourquoi pas
tous en lisaba grâce aux ambassades ensemble pour que nous puissions évoluer et que le nom de Dieu soit glorifié. Et depuis ce temps-là, il était d'accord, moi aussi j'étais d'accord, on a prié Dieu et le Dieu a permis, le Seigneur a permis que Toba la nana, parce qu'il y a vraiment Isala qui accomplissement à l'Iboso pour comprendre la volonté de Dieu par rapport à notre ministère. Et le reste, le Seigneur nous a aidés jusqu'aujourd'hui. Oliane Musique évolue très bien et on ne fait que témoigner la main de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Nani kama wewe, Bwana. Nani kama wewe, mwenye nguvu, mutakatifu kama wewe. Nani kama wewe, mwenye enzi, mutakatifu kama wewe. Maman Anne l'a dit, le Seigneur nous a aidés. Nous avons commencé seulement à deux et plus le temps passe, plus nous avons senti qu'il y avait eu un besoin que nous puissions un peu nous agrandir. Et le Seigneur a permis à ce que plus le temps passe, plus des gens bien puissent venir nous seconder, nous aider et qu'ils puissent accompagner cette vision qui est Oliane Musique. Actuellement, ça paraît un peu énorme, mais nous sommes à 70 dans Oliane Musique. Nous avons commencé par recruter une personne et cette personne a amené une autre personne et puis on a senti le besoin d'avoir des chanteurs,
des instrumentistes s'agrandir en termes de cœur. Et puis nous nous sommes dit, on ne peut pas garder ce que Dieu nous a donné à nous seuls. Que nous puissions partager aussi avec les bien-aimés, que nous puissions partager l'expérience. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, nous avons une échantillon. Nous n'évoluons pas seuls, nous avons un comité, nous avons un directeur technique qui est avec nous, nous avons la chef qui nous accompagne, Maman Afi. Ça fait vraiment beaucoup des années, elle est là avec nous et puis avec d'autres secrétaires et autres qui sont en train de nous aider. Pendant toutes ces années, le Seigneur nous a fait grâce, on était vraiment et on est actifs. On a fait des événements, des concerts, studios, on a enregistré tant d'albums et il y a eu des voyages aussi. Donc c'est pas que l'un de Vanda Karabouto en activité, non. Le Seigneur nous fait vraiment grâce. Donc il y a encore d'autres activités qui sont en cours. Donc bientôt là peut-être nous allons encore repasser pour vous donner des informations et vous sensibiliser pour que tout coûte à la naissance. Nous. Avec Maman Anne, nous avons commencé à travailler vers 2008. Mais avant ça, j'avais déjà mes chansons qui étaient déjà sorties, mais il y avait eu des complications. Et nous avons décidé ensemble de faire notre premier album où Maman Anne était l'héroïne dans l'ombre. Et elle avait fait dans cet album tous les chœurs. Ouais. Oui, tous les chœurs. Elle a fait deux leads. L'album s'appelle Le Père Parfait, qui était sorti en 2012, mais on avait terminé ça même avant notre mariage. Oui. Et c'est ça le tout premier travail. Ça s'appelle Le Père Parfait. Il y a plusieurs clips que nous retrouvons sur YouTube et nous bénissons Dieu pour ça. Moi je m'approche.
Après le Père Parfait, le Seigneur nous a fait encore grâce. En 2016, on a fait l'album Yahweh. Donc, il y a déjà les clips qui passaient déjà à la télé. Hein, nous connaissons tous. On avait lancé deux chants. La bangade atambonge pe mo bebe kula elongo to komata likolo, et on a lancé encore nanocilité. C'était vraiment des cantiques qui nous avaient réconfortés, et on s'est dit pourquoi pas tout tika na mobiso mokoto partager la mikota na nzambe bisonyo soto bénéficier na o nzambe abongisi ona biso na temps wana oyo tulikisaki les années 2016. Donc on a le silité. Na lingi na yemba bola mwa nzambe na tatola bola mwa mokonzi po bilembo ya kolo na bomoi ya baenge bene na yebye aleluya aza moto te po akosi ngai mwana moto te po abongwa na ye nyonso alaka na bomoi ya baenge bene. Yeah.
Kolona Lingio, c'est juste l'expression de mon cœur. Je voulais juste exprimer ce que je ressens pour mon Dieu. Et il y a des chansons telles que Tambola Nanga, où nous faisons une prière pour demander à celui qui a le pouvoir de protéger, qu'il puisse vraiment marcher avec nous comme un bon berger. Onayebi nangolunayo nakolonga. Nous avons fait mon single au Zanzambé. Il y a plusieurs titres à l'intérieur. Il y a au Zanzambé, au-dessus de Bénissi déjà, on a publié sur YouTube. Au Zanzambé, on voulait vraiment pour l'accès à peuple de Dieu. Nzambé, Azala Nzambé, Atikala Nzambé, Moussousou, Kola Yazate. Azanzambé, dans la circonstance, Azanzambé, dans la tendance. Et Azanzambé, Oya Yébi Koutam, Mabola Mabana. Ce qui peut-être tout seul, il ne m'a pas dit que je reconnaître, mais notre Dieu sait reconnaître le bienfait de ses enfants. Azanzambé, Oya Yébi Koutam, Mabola Mabana. Azanzambé, Bana ya bana nanga bakota tola, bakota tola e. Et nous avons fait la toute première production avec notre sœur Afi Lomé, la toute première production de Olian Music. Donc c'est vraiment une grâce pour nous, parce que si on regarde là, on a commencé avec Dieu et aujourd'hui Olian commence à produire, en tout cas toujours ça va tourner. Pour cela, nous vous annonçons dans quelques jours la chanson Fumo. La chanson Fumo résume tout ce que Dieu a fait pour nous pendant 10 ans. Olian Music a totalisé 10 ans. Alors pour les 10 ans, nous nous sommes dit on ne va pas chanter seul. Nous avons fait un single où nous avons chanté avec ces merveilleuses personnes qui sont derrière nous. Il y a plus ou moins 17 personnes qui nous ont accompagnés, que nous appelons les leaders Olian Music. Yeah.
mweza ya yo Loku muse ya yo Loku muka kana yo Ebongina moto teo papa Loku mweza ya yo À mon nom et au nom de tout le groupe Olian de Musique, nous vous disons merci, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas terminer sans remercier Papa Pichu Mudiongo et toute la maison PBP Productions qui est en train de nous soutenir en ces moments. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.